fort de collecte de sang toujours. Il dit les équipes de MSF continuent d'évaluer les besoins médicaux et humanitaires dans d'autres régions d'Haïti touchées par le séisme et comment nous pouvons soutenir au mieux la réponse d'urgence locale. Donc, c'est en quelque sorte, et m'capable dit, organisme international SAIO et avec des particuliers qui a commencé à manifester et volonté pour y intervenir directement dans le pays pour y être capable de porter secours avec différents Haïtiens qui en ont besoin, notamment dans le presqu'île du sud, côté tremblement de terre là. L'effet est capable de dire et de sérieuses victimes. Winnie, tout ça, le bonjour. Bonjour, l'hiver. Bonjour, Winnes. Bonjour, Germina. Bonjour, tout le monde qui a écouté ou qui a regardé le panel là. C'est un plaisir d'être avec nous matin. Et bien que les circonstances n'ont pas. Pas au plaisir. Oui, oui, parce que nous avons ouais. Depuis hier, j'ai été mobilisé pour votre information pendant toute journée. Pour nous, c'est très bon de dire ça qui est passé hier à 8h30 et d'ailleurs, nous avons senti le panel de la radio. Hein. Et pour la suite, nous avons réalisé que puis Saint-Lant est dans la péninsule sud, là, du coup, il y a une pile de victimes. Mais jusqu'à présent, et faut que vous faites pour que tout le monde joigne les soins que vous méritez. Donc, c'est ça qui va mobiliser l'actualité hein, pour matin. Justement, nous j'aimerais annoncer ça, nous parlons pour nous parler avec Mounio qui c'est premier victime yo qui c'est premier monde qui a payé pour diguer les premiers soins dans l'hôpital qui dans région ça pour nous connaître comment aide à trouver parce que hier premier ministre dans point de presse était bas là il était annoncé que il a commencé comme délégué soit des personnels de santé soit des cargaisons et de matériel de santé pour permettre que Mounio yo commencé et recevoir soin. Il était même et promettre que par l'intermédiaire de PAM, par l'intermédiaire de FAES et Food for the Poor que Mounio yo était supposé commencer et recevoir manger et hier nous pas connaît comment département et grand incendie levé matin parce que hier et ministre santé dit que les coupés et du reste du pays par rapport avec et capable dit déboulement qui était gagné sous route là et oui nous tapé justement et évoqué et ensemble de personnalités soit chef de l'État ou bien chef de gouvernement des pays qui sont amis d'Haïti qui manifestaient et soutien eux déjà avec Haïti qui promettent qu'il y a venu en aide avec nous et également des organismes internationaux qui commençaient et exprimer et sympathie mais également qui promettent tout donc nous avons évoqué plusieurs maintenant nous pour aller justement au ministère de la planification et de la coopération externe qui lui-même et manif alors qui dit que il entend coordonner et intervention et pays amis à ONG partenaires d'Haïti donc vraiment il nécessaire pour nous dire ça parce que nous t'avons parlé de ça hier c'est vrai nous avons besoin d'aide et quel que soit côté aide la soutien li bienvenu mais les gon nécessité pour aide yo bien coordonné voilà bien. Pourquoi et nous prenons lire article ça qui et bon qui beaucoup paraître dans colonne de nouvelles mais justement qui t'a supposé paraître bientôt et Germina et prend la dedans ou bien ou prêt pour le bon nous. OK. Oui, donc Germina prend l'île pour nous et il y a une façon pour nous et connaître comment aide là aide yo différents aide cap venir comment yo pral coordonner dans pays. Effectivement l'hiver nous gagné un ministère planification et coopération externe qui exprimé samedi à dans un communiqué soit li pour mieux coordonner intervention pays ami yo ONG partenaires et gouvernement haïtien qui t'a voulu porter assistance à population et grand sud là qui est affecté par séisme dévastateur de magnitude 7.2 qui touchait Haïti hier samedi 14 là. Pour arriver à faire ça, MPCE entend prendre plusieurs mesures nécessaires pour orienter action partenaire souterrain pendant à veiller cohérence avec priorité nationale, sectorielle
et locales selon domaines respectifs. Yo eu regard à directive gouvernementale et puis principaux besoins exprimés par population affectée. Donc, dans notre ça, MPCE dit à la suite du séisme du 14 août 2021 et a affecté les populations du Grand Sud et causé des pertes en vies humaines ainsi que des dommages matériels et suite à l'état d'urgence qui a été décrété sur toute l'étendue du territoire national, le ministère de la Planification et de la Coopération externe réitère aux pays amis et ONG partenaires qui sont déjà accrédités en Haïti et celles qui comptent apporter leur assistance que celle-ci sera la bienvenue. Et puis, il rappelait qu'en situation d'urgence, la direction de la protection civile est la seule autorité habilitée à identifier les besoins et à orienter les actions humanitaires afin d'éviter toute duplication et pour une meilleure coordination de vos interventions. Ce ministère vous demande de bien vouloir vous associer à la DGPC, DPC, pour la phase d'urgence, a poursuivi le MPCE, tout en faisant part de son refus de voir proliférer des camps de fortune. À cet effet, le MPCE demande aux ONG de procéder à la distribution de tentes et de bâches en plastique aux personnes identifiées ayant leur maison affectée afin de leur permettre de passer la nuit à proximité de leur résidence. Se basant sur les leçons et enseignements tirés sur le mode d'intervention des ONG, le MPCE estime qu'il est de son devoir de donner des directives claires afin de canaliser leur assistance par rapport aux soins d'urgence, la distribution de produits de première nécessité, l'appui psychosocial et la prise en charge des familles déplacées. Pour la phase de relèvement, les ONG devront passer par le canal régulier du ministère de la Planification et de la Coopération externe et des ministères sectoriels concernés qui doivent orienter et coordonner le cadre de leur intervention après évaluation des besoins, a instruit le communiqué du MPCE portant la signature de son titulaire, Dieu seul s'y modérera, qui réclame la prise en compte du lien entre action humanitaire et développement dans le contexte actuel. En dernier lieu, le communiqué annonce la mise en place d'un guichet d'urgence unique comprenant le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère de la Planification et de la Coopération externe et l'Administration générale des douanes afin de faciliter les formalités de dédouanement pour les produits liés à l'aide humanitaire. Mm-hmm. Ouais, voilà, c'est nous dit ça tout à l'heure, donc il y a une nécessité pour être bien coordonné pour capable de joindre moun qui nécessite ça. Jamais dans l'absence de 2010 et si c'est en aide, nous avons été abondés tellement nous avons reçu aide et ONG partout, ONG pour tout et ici et par là, ça et là et oui, nous avons reçu aide. Et cependant, il y a des gens qui te joignent en abondance alors que tu as deux groupes qui vraiment étaient pauvres dans sa route. Recevoir ça qui était justement qui était en trace noire pour ONG en particulier qui était mal distribué, mal coordonné. Aide là. Bon, c'est l'État haïtien pour qu'on ait expérience là. Expérience ça et dans la mesure que c'est première fois et bon capable dire alors c'est pas première fois n'a subi un tremblement de terre comme ça non mais pour n'a recevoir toute aide ça donc il était difficile pour nous être capable et coordonner et aide ça mais me penser nous prendre leçon et fois ça nous supposer agir d'une manière pour nous capable permettre que aide yo bien coordonné parce que moun et jodiant là c'est pas tant yo besoin. C'est plutôt médicaments et matériel médical. Il y a un autre département, lui-même, c'est capable, c'est tant les besoins qu'on a là, parce que les cailloux crasés n'ont pas de moyens pour dormir, c'est dans la rue. Donc, il doit gagner un organe et officiel, un organe légal qui, pour être capable de déterminer les besoins,
et orienter aide yo en fonction de besoin population. Donc ça l'extrêmement est important et Germina et nous t'a parlé également de ensemble de l'hôpital qui alors qui en manque dans département parce que yo vraiment et surpassé et par les événements yo vraiment pas de recevoir moun ti nous t'est allé dans baradère côté que manque de matériel moun yo t'es gen moun qui t'est commencé mourir et gen infirmier alors infirmière qui en chef et le seul grand l'hôpital qui dans baradère là hier il t'est dit nous t'es gen deux moun qui t'est gen t'en mourir faute d'assistance médicale parce que pas de matériel t'es gen l'autre qui vraiment pas t'est inspiré espoir et bien et gen des hôpitaux qui manifestaient volonté pour yo venir en aide avec l'hôpital qui vraiment pas capable recevoir mais bien avant que nous aller énumérer l'hôpital ça et l'UNES fait nous signe n'a pas observé deuxième pause nous dans panel là et n'a pas retourné tout à l'heure pour développement point magique neuf toute nouvelle ou te ouais cavaillon et après tremblement de terre ça alors pour commencer faut me dire que et moi pas et dans le sud pendant tremblement de terre là alors c'est mon réflexe journalistique moi fait que hier matin immédiatement que après tremblement de terre là moi j'ai décidé de prendre route là parce que j'ai trouvé que flow information qui a venu nous en tant gens slow et malgré risque qui gain qui lié par rapport à Matissan etc j'ai pris risque là quand même j'ai traversé Matissan et que moi j'ai monté ici à dans le sud justement pour m'être capable de constater de par moi-même et à la fois en tant que journaliste freelance informer des médias qui eux-mêmes t'ont demandé des updates des informations sur le tremblement de terre là. Comme toute route là malgré que l'épicentre tremblement de terre là il fait dans NIP mais l'heure où commence à arriver dans zone Miragouane on passer fond des nègres etc. et Saint-Michel ou pas ouais vraiment ou l'impression que qu'est vraiment des têtes est-ce que vraiment un tremblement de terre est-ce que t'es un tremblement de terre vraiment est-ce que bah là t'es aussi grave que on dit vraiment etc. Par contre immédiatement qu'on finit qui t'es Akin ou commence à attaquer Saint-Louis du Sud et bien ou vraiment ouais pour qui ça et mon côté aussi alarmant pour qui ça et tu as parlé de tremblement de terre là aussi gravement et bien vraiment pile dégâts commencé depuis dans zone Saint-Louis du Sud, il y a vraiment un pile dégâts. Mais il y a une bagarre qui est surprenante par rapport à dégâts tremblement de terre ça fait par rapport à 2010, c'est que et par contre bizarrement ou rien presque que bah la tension sélective ou qu'à passer là où on caille dans mitan l'autre crasé deux ça supporter au campé normal ou passer on l'autre sec caille campé puis devant ou jeune deux l'autre qui détruit complètement qui tombe complètement et cavaille on lui-même l'apparaît une nabal pour un bail qui frappe c'est que tête l'église à côté qu'on ouais depuis sous tête mon ou pas elle encore et lors réussir rentrer dans ville Cavaillon et bien vraiment bien en pile destruction moi même personnellement premier cadavre que moi à terre et c'est dans Cavaillon c'est une machine que retiré en bas yon building et on t'a fait effort retirer deux trois autres monde parmi lesquels un petit monde que était en dévoilé et que on t'a essayé retirer en bas des combes donc l'église Cavaillon crasé tout devant tomber etc. sauf pas des l'église qui ont été couvrie tout devant toute tête l'église a tombé en pile l'autre édifice qui était qui au haut qui au bas qui ont tombé qui ont crasé et en pile monde blessé alors en général par rapport à 2010 nous recensons beaucoup plus blessés que morts nous recensons nous t'as qu'à dire en termes de quota moins mort par rapport à 2010 et avec moun que me parler raison qui fait ça c'est justement le fait que yo t'ai fait expérience 2010 là et ou bien yo t'ai tendé parler de lui même si pas de vivre personnellement ou bien pas près Port-au-Prince etc. et en pile moun prend risque comme si voler dans fenêtre j'étais courir sorti etc. bon certainement gien là blessé comme ça tout mais c'est comme ça échapper la vie yo. Parmi lesquels moi parler avec un monsieur dans Saint-Louis du Sud lui-même il était non caillé il était dans étage la caillé et j'ai lui quand elle a souqué a lui pas voulait ni brancher à l'entrée en bas en table ou bien entrer en bas en tête porte lui carrément voler nos fenêtres et il était bien réagi parce que immédiatement que l'anic fin lui immédiatement que l'anic fin tombé au contraire il était obligé coule fin tombé à courir lever parce que cala tombé tout de suite derrière donc vraiment il y a pile dégâts dans zone Cavaillon donc l'arrivée au caillé lui-même l'arrivée au caillé
li pat ou pat rive nan yon sèn apokaliptik, men et vraiment gen des zones, c'est même constat que m'te fait Saint-Louis du Sud là, gen des zones qu'on rive qui entièrement crasé, constat tout gen des zones que ou mande tout surprenamment pour ça au camper, grand ou au caill là rete camper. En boulevard 4 chemins, gen quelques caill là dans qui crasé, quelques gros édifices, quelques caill mais en gros puis fort building ou camper. Mais dans mitan ville là et zone qui un petit peu plus près la mer. Et zone ça nous on est réputé pour comme une zone qui inondable, son zone qui toujours gagne inondation, donc on pense que ce sol là dit vraiment différent de l'autre côté dans ville là et par rapport à accumulation de l'eau fait dans sol là, etc. Vraiment il y a un pile dégâts dans zone ça, zone qui ont tient près la mer, zone qui ont tient près cathédrale là qui lui même résister, mais l'autre l'église catholique qui rentré ville là lui même lui détruit, lui endommagé vraiment en pile. Cathédrale la résisté, il y a quelques fissures, quelques côtés qui crasent, mais vraiment il y a un pile de dégâts. Par exemple, là actuellement, moi dans rue Geoffroy, pour ceux qui connaissent, moi dans rue Geoffroy, il y a vraiment il y a des cas qui crasent. Ça qui surprenant là pour matin, c'est que Mounio a vraiment pris des risques malgré qu'il y a un pile secours hier soir, un pile réplique. Mounio a pris des risques rentrant dans caillou, retirer et ça que yo gagne, ça que yo capable. Et l'autre constat que me fait par rapport à la présence officielle, yo, pas de ça. Okay. Mm-hmm. À part hier soir, en direction protection civile qui travaille toute nuit, là, et je suis dit dans l'entité de l'État, direction protection civile, parce que je suis allé visiter l'hôpital là, c'est eux-mêmes de temps en temps qui a venu avec des gens qui ont été en bas des combes. Et là où vini à Mounio, depuis mon n'a parlé, il fait interview à Mounio, il a demandé est-ce que il y a l'autre monde qui était avec le côté au près là, etc. Il y a une dame qui était petite qui avec lui côté au près là, c'est lui même qui a explication qui côté pour chercher petite là, parce que il était qui était déposé petite là en bas en escalier, c'est lui même qui a dit Mounio qui côté pour aller, etc. Et il était jeune petite là, donc c'est pratiquement une histoire à succès que m'était ouais dans l'hôpital général Locaïer et qui était pour ton soulagement et dans comme par rapport à ça que l'autre scène que m'était ouais dans l'hôpital là toute la cour l'hôpital là c'est cabane, c'est bon on va recevoir mon dans building là, building l'hôpital là est campé, mais ce coup sur vraiment était intense hier soir et long. OK. Et long. J'ai l'impression que tremblement de terre ça les gens que m'était peut-être ingénieur pour petit tap dit ça hier, c'est vrai qu'il est vraiment différent de 2010 parce que ce coup sur vraiment long. Et yo bizarre et yon nan lot phénomène que nous constatons, si pa gen pile destruction de édifice nan Okay, mais a terre fond en pile côté a terre fond, gen des pompes gazoline ou carrément que a terre levé comme si sol la levé et ça son phénomène que qui rive en pile. Et tout sous route là tout te gen des éboulements, te gen nan zone Saint-Louis du Sud, nan zone Laurent, nan zone vieux boudakien, gen en pile éboulement, en pile roche qui descend dans route là, en pile terre qui descend dans route là. OK. Maintenant pendant on parler de éboulement yo, et yon nan problème que moun te gen depuis hier, c'est problème accès a, et parce que gen pile route qui te coupé, gen pont qui pas ka passer sous yo, est-ce qu'on ouais diligence dans sens ça pour et débloquer voie d'accès? Non. Et à part j'aime donner tout ça qui fait tout effort que moi qu'a fait yo ces populations qui fait yo, même pour route là, pour nous te gagner accès sur route là pour réussir river au caille, c'est moun dans chaque zone yo qui pousser roche, qui retirer terre, qui peut retirer couper pied bois tout sur route là pour permettre que machine ta circuler, pour permettre que moun capable river au caille. Et même dans hôtel Le Manguier qui c'est hôtel regretté sénateur et ancien maire Gabriel Fortuné, c'était population que m'était ouais à menu qui t'a essayé casser fer, couper fer, casser béton pour te retirer potentiel l'autre monde qui en bas béton hôtel ça, hôtel 4 étages qui pratiquement plié plat à terre. Et c'est le cas dans pile l'autre édifice, moi ouais j'aime donner à part protection civile, m'était pratiquement seule équipe, donc yo pas en pile. Et à part protection civile qui a fait des va-et-vient, prend des monde, prend des survivants pour te dans l'hôpital, etc. Bah ouais, en quel autre déploiement officiel qui fait, en quel autre déploiement public l'État, etc. qui fait pour aider mon matin. Donc hier soir en plus le monde dormait dans la rue, moi-même tout bon, t'es réussi à venir machine dormir dans machine sur un terrain vague, mais vraiment plus le monde dormait dans la rue, plus le monde dormait dans la cour la caillou et côté qui vient gros la cour, côté qui vient place publique. Donc c'est pratiquement des scènes que nous t'avons en 2010 que n'a pas ouais
à la seule différence, moun yo moins paniqué, moun yo moins alarmé parce que kounya yo konn ki sa kontre tremblement de terre. En 2010, moi-même, m'te konn ki sa kontre tremblement de terre, même pensé que m'pa jam konnen que l'te ka arrive en Haïti. Donc et li ton ti jan effet apocalypse tate an ti nan tèt nou. Comme si c'est la fin du monde, parce que ça ne t'a pas vu, nous ne pas jam konnen, nous ne pas même pensé que l'te ka arrive, etc. Donc et mais là ou ka wè que moun yo vraiment pi calme et yo organisé yo mieux, yo apprécié géré. Donc et à part réplique qui des fois bail de grosse stress Andy il fait 8 heures permettez-moi de monter drapeau et m'appeler tout à l'heure. OK parce que nous situation et au cas là on va continuer. Oui donc je dis là objectif là c'est arriver dans zone qui dans l'autre ville qui alentour au Caillou Camperin sous bon Grand-Anslan sous bon Route Jérémien et puis Chantal Torbeck etc. sous bord pour route pour aller pour saluer les Anglais Koto etc. Donc on va essayer de garder qui j'en saille dans zone ça parce que j'aime de l'improvis local pour ces populations qui a essayé organiser tête yo là qui a essayé repérer et aider d'éventuels survivants d'éventuels monde qui en bas des combes et à la fois tout sauver des biens que yo capable moi même talle à moi ouais un monsieur qui prend risque rentrer en bas on caille qui pratiquement trois cas détruit un petit tête qui était sous tête lui et monsieur a essayé sauver le plus de bagages que lui capable en termes de sensibilisation parce que moi c'est moi qui a essayé dire monsieur ça l'a fait extrêmement dangereux pas gagner vraiment pas gagner une présence officielle pas gagner une présence au niveau l'état qui a fait et à la fois aider mounyo ou bien même guider yo avec des messages pour continuer prendre précaution parce que c'est pas fini et toujours gen réplique et toujours gen possibilité pour que on caille tomber même si pas gen une forte réplique. Okay. Si elle là t'es commencé un petit peu couvert qui était un petit peu inquiétant parce que nous connais au caille à la fois et remé inondé et la pluie t'a capable de compliquer situation en plus bon à un moment n'a pas là fait pendant ma parole voilà là n'a pas stocké. Là pendant n'a pas la voilà là n'a belle souqué et n'a souqué voilà au cas où quand des bruit moun k'ap paniquer au cas des bruit moun k'ap pourri et voilà c'est exactement ça me t'a dit tout à l'heure possibilité pour que des répliques possibilité pour que des paniques donc dans moment n'a parlé à la bon réplique et l'a souqué toujours c'est ça qui Magic c'est ça 9, qui est différent et réplique vraiment longue et réplique surtout vraiment longue. Donc là, ou tande augmentation de son, augmentation de bruit en bon côté, si on panique qui gagne, moun se chita devant kay, moun se chita, moun se entraîne dans kay, kap pou y sorti. Et voilà, ok, nous vient que se le passé. Et voilà. Donc réplique aussi un petit genre long, et c'est vraiment des secousses et qui fort. Réplique senti vraiment fort. Mes amis, bon, gade moun qui tande dans kay, donc bah on est situation compliquée en termes d'information parce que nous prenons des risques qui capable passer causer de grands dommages et pas une personne dans ta jour pas on patrouille la police pas gagner un officiel qui était capable utiliser des sound shock des porte-voix etc et des messages pour parler à Mounio pour yo pas continuer prendre risque parce que pas continuer à traîner dans caillou, pas continuer à mettre vie en danger. Bon, évidemment, je comprends tout. Yo pa gen le choix, c'est yo livré à yo même. Donc, si effort qui est capable de faire là, c'est yo même qui a essayé de faire. L'autre point important, c'est gestion cadavre. Je ne sais pas quoi que gen, à part le monde qui peut-être a mouru dans l'hôpital ou bien que yo te a l'hôpital avec yo qui déclaré mort après. Gen 2-3 cadavres qui bon là, oui. Au niveau de boulevard 4 chemins et qui était là depuis hier et que moi levé matin moi jeune que là toujours donc pas pour qu'on prise en charge qui fait dans ce sens ça pour ta capable lever cadavre ou bien si c'est fausse commune à faire ou bien remettre famille ou bien bah, on n'est pas vraiment qu'on prise en charge qui qu'on fait dans ce sens ça. OK. Maintenant, il y a une situation que nous t'ai fait face avec lui en 2010, c'est le fait que tu gagne pile monde qui était en bas des combes. Est-ce que pendant dans ville là ou gagne pile cas qui écrasé bien entendu ou bien endommagé, est-ce que ou est situation ça est ou gagne monde qui a essayé faire effort pour que il y a retire monde en bas des combes.
Et oui, m'te wè sa Cavaillon hier, c'est vraiment dans pile fort qu'a fait et c'est au niveau étatique c'est un kazek qui était campé hier, qui était là que yo t'a parler de lui, yo t'a de mentionner lui. C'est un kazek, pas de bien qui nous représente, m'te poser question, pas de bien qui nous représente en mairie, en Cavaillon, pas de bien qui nous représente l'état en quelque sorte dans Cavaillon à part un kazek qui était là qu'a essayer, qu'a ba instruction, qui était venu avec des outils, des équipements, puis quoi et cetera pour t'a casser caille. Essayer ou retirer des moun nan Cavaillon. Nan Vilokay, mwen te wè sa nan hôtel Le Mandier et population t'a essayé casser béton et cetera pour retirer des moun, mais au niveau de l'autre caille que mwen qui tombé, mwen posé moun yo question, soit que pa gen moun nan bakayo et j'm dou lan moun, pile moun te gen ta couri sorti parce que secousse nan te vraiment différent de li pat fort comme si li pat intense même genre avec 35 secondes que nous t'ai gagné hein? Donc lui même il dure près de 4 minutes et il dure près de 4 minutes donc en dégâts au fait à la longue ça dit dégâts au fait à la longue en pile monde qui t'a couru sorti okay. Et en pile monde qui victime c'est peut-être yo pas de comprendre ça qui a passé là ou bien que yo t'a essayé sauver de l'autre monde etc. mais en pile monde témoigner que yo t'ai t'a sorti et même des blessés que ou joindre dans l'hôpital t'ai joindre dans l'hôpital là hier c'était vraiment des moun bras cassés, bras ont été collés dans des bagages ou bien jambes cassées ou pas ouais en pile fracture la radie terrible même genre 2010 et ont été championnat était capable constater. D'accord, merci un peu lui Andy et puis et sous elle autre bagage continue à informer nous. Aucun problème oui. Voilà. Vous avez écouté Andy Tiber et journaliste freelance personnalité monde culturel là qui est au Kai et qui était travaillant hier qui au Kai jeudi hein et qui t'a dit nous et qui ça lié que ça l'observer et pendant et non après séisme ça qui fait hier dans matin vers 8h30 et qui vraiment affecté et grand sud pays a. Là nous allons faire des marches pour nous recevoir un autre invité dans panel là nous allons recevoir ancien député et David Genesté lui même tout qui dans Kai nous allons regarder avec lui et comment situation y est pour qu'on y aller là. Député Genesté et où dans ville Kai qu'on y a qui sont ouais qui sont observés comment situation y est. Bon, son situation groupe de nuages, dans la mesure où c'est une population, je dis, là, qui a fait face à un pile d'hésité, un pile peur, et un pile amertume, un pile peur parce que réplique, yo constant, yo récurrent, et d'un autre côté, où qu'on est par rapport à faiblesse l'État, et situation de misère qui te gagne déjà en un pays. Donc, nous sommes capables d'ici, un tableau vraiment sombre, c'est un tableau vraiment délicat. Mais ce qui est certain, c'est que nous connaissons la population haïtienne, c'est une population vraiment vaillante. Et là, moi, sous route et qui mène à. Ma passé devant l'hôtel Le Mangui, hôtel Gabriel Fortuné, qui mène à la route de l'aéroport. Il y a plusieurs monde qui sont motocyclettes qui avaient des activités, qui ont cherché la vie. Et, mais hier soir, c'était une soirée très tendue. Et la grande majorité de monde de la population n'a pas été en train parce que tu as des répliques qui étaient assez fortes. Donc, en clair, c'est un tableau vraiment sombre, c'est un tableau vraiment difficile. Un tableau vraiment difficile, l'OAP dit tableau sombre, tableau difficile, ben nous, et qui ça qu'on dit ça? Bon, en termes de coordination, bon, nous, on a TPTC qui a l'œuvre, qui a PC fait deux, trois bagailles, mais en termes de coordination, bon, certainement, laisse l'État ajouter à l'absence de coordination, d'organisation, donc ou vraiment dans le chaos là. Vraiment dans le chaos, donc ni urgent pour gagner une solidarité et grandissante, hein, une solidarité grandissante pour le Grand Sud, notamment et la ville de Kai et le département du Sud
et côté jodi an de on commune an l'autre presque pas ka lon l'autre parce que et route yo gen de côté route yo bon pa gagne un thème technique yo c'est pas un monde qui dans domaine là mais gen pile et route yo qui bloqué par rapport à tremblement de terre là gagne roche qui près de route par exemple route nationale numéro 21 depuis route de Saint-Louis du Sud et jusqu'à Okali très difficile pour gagner accès il est très difficile pour gagner accès par exemple dans zone Cavaillon et dans rentrée ville Okali en côté que la porte donc route là censé bloquer avec avec wash grave ma connaît et sédiment etc et qui rentre sur route là et matin là moi pour capable aller dans zone la côte et dans zone la côte il y a difficulté yo parler de pont d'un pile pont qui semble et t'a gain de problème donc et c'est dit pour aller en cours par exemple là et zone Camperin frappé en pile et zone Camperin frappé en pile et en pile côté où passer ces populations avec intelligence yo capable essayer garder comment et yo capable retirer de monde et en bas et ça nous les des comme là et dans centre ville local là même c'est une situation apocalyptique l'en dit apocalyptique parce que il y a plusieurs établissements qui tombés et hôteliers gagnent l'église catholique et l'en dit l'église catholique m'a parlé de évêché et il y a plusieurs autres l'église il y a plusieurs autres espaces publics que ce soit privé l'en dit espace public que ce soit pour l'état ou encore par exemple des écoles qui tombent. Donc, en clair, son situation est grosse de nuage, son situation qui n'est pas beaucoup claire du tout. Son situation qui n'est pas beaucoup claire du tout, ou souligner-li, l'état est déjà faible dans la zone, déjà présence est déjà faible dans la zone, et il y a un certain manque d'organisation, et ces populations qui a essayé avec les moyens du bord pour et faire face à la situation là. Maintenant, en termes de besoins, si tu as parlé de besoins, qui sa ville dans ta besoin, qui sont pensés que tu as supposé faire qu'on est là pour et puis bien répondre avec la situation ça matin là? Moi, je pense que le département manque tout. Il y a un problème de gaz, et pas de gaz. Ah oui? Et pas de gaz, mais là, pour qu'il y ait gaz, il y a parlé de une situation qui semble tremblement de terre là, t'as fait monter tant que bon, et dire. Et donc on peur bleu pour pas gagner et des éclatements ou encore pour pas gagner et des incendies qui éclataient et bon nous connaît le sud là t'es déjà fait face à situation matissant côté gros ensemble de produits de première nécessité qui pas bien facile d'accès pour arriver sur le département donc ajouter à situation ça donc le département manque tout l'eau et produits de première nécessité, manger, etc. Donc, on a dit son situation est difficile. Et besoin de sentir ça dans le visage de la population. On n'a pas besoin de lire les lettres, les livres, dans la figure de la population. Où est besoin de en grande lettre. Ok. Maintenant, vous avez expliqué nous que hier, et population domine la rue parce que pas qu'à entrer dans caillou mais tout nous connaît que gagner l'hôpital qui t'a dit que était débordé était dépassé par les événements il pas qu'à recevoir trop malades maintenant par contre sous gétant passé et non l'hôpital matin ou bien bon l'hôpital pour garder comment situation y est-ce que gagne des blessés toujours que après tirer en bas des combes et qui besoin soin toujours matin là moi t'étais avec moi fait dans coune c'est ça comme quand même derrière les coune Coude, c'est qui s'allie, c'est? Coude, hein? Ouais, c'est dans le bureau de protection civile, là, il fait que sorti là. Et bon, gagne un minimum de mise en place qu'a essayé de mettre, mais où qu'on est avec toute salle comme limite. Et bon, gagne un contingent de militaires qui l'a. Ok. On va parler de militaires haïtiens de militaires haïtiens. Ok. Et avec soit attendre la directrice départementale TPTCA ensemble avec moi donc qui a essayé de mettre j'étais de mise en place
il y avait des étaient mis en place, mais aucun. Et avec un pile limite, un pile faiblesse, et un pile difficulté. Bon, pour que cet hospitalier, depuis hier, bon, on connaît l'hôpital général au CAI, malgré les conceptions au CAI, c'est déjà fait face à un pile difficulté. Et gagné au Fatma. Bon, tout l'hôpital, ça, c'est. Il y a bondé de monde qui blessé. Et bon, c'est ça le tableau. C'est ça le tableau et j'en dis un autorité yo poukou la et jusqu'à présent population manqué ou dit département manqué de toute bagaille de l'eau manger et produits de première nécessité et bien entendu on renfort médical pour capable aider et l'hôpital yo faire face à situation que y a parlé là mais maintenant là non pas une situation de parole là la faute de soutenir des actions concrètes coordonnées planifiées qui pour faire pour venir aider à moun yo. Parce que gen un pile monde qui blessé, gen un pile monde qui en difficulté. Maintenant, est-ce que autorité locale yo, est-ce que yo capable faire ou bien yo getan faire des séries de bagaille? Mais hier moi t'ai ouais et cartel intérimaire ville locale là, bon d'ailleurs gen un nan mam yo qui blessé. Mm-hmm. Bon, pas qu'on vraiment gagne des interventions de l'autorité. Faut nous clair sur ça. Gagne de promesses, gagne de mise en place qu'a fait. Mais là, jusqu'à présent, pas qu'on vraiment gagne des interventions concrètes qui fait pour faire face à la situation. Okay. Faut nous dire ça. Ok. Ou même, on continue à signer si on est vilain, on continue à garder ce qui a passé. Et puis, m'espérer que on fait nos signes pour qu'on. Pour bon, pas oublier que m'sais député dans la ville là, m'sais petite ville là, fait un pile investissement dans nous. Et donc, n'a pas gardé avec un pile acteur dans la société civile là pour nous qui ça qui a fait. Par exemple, bien, première intervention qu'a fait matin, c'est pour voir comment est-ce que y'a capable et connecter de une commune en l'autre. Par exemple, un monde qui saute. Pour salut pour le capable aller au bateau, monde qui saute au bateau pour la couteau, etc. Par exemple, les zones côtières là sont zones qui frappent en pile. Et par exemple, il y a la commune des Anglais et il y a des nombres, m'bako avec Zoom, mais premières informations qui viennent avec de monde parler et il y a des nombres en pile monde qui mourit parce que c'était un jour de fête, c'était l'église, c'était baptême, donc il y a parlé d'un pile si monde avec Paro qui t'a mouru. Dans la zone Saint-Louis du Sud, par exemple, il y a un côté que la sucrie. Et moi, je n'ai pas arrivé là, mais moi, j'ai passé sur la route nationale là, côté Saint-Louis. Là. Donc, il y a plein de mauvaises nouvelles qui viennent. Donc, c'est des côtés qui, l'heure de Saint-Louis, ce n'est pas à Téla, ou à la rue, mais il y a des sections communales, par exemple, la sucrie, etc., Baie du Mel. Donc, tout côté ça, c'est des côtés. Et moun poukou ka rive par rapport à outre qui coupé, mais il y a une nouvelle qui rive et nous connaissons que y a un gros problème tout de communication sous le département. Et donc, il y a de très mauvaises nouvelles qui rive. Okay. Donc, et m'a profité de antenne Magique 9 qui gon gros écoute en un pays, hein, et sur le plan international, pour nous solliciter une solidarité grandissante pour le Grand Sud. Une solidarité grandissante pour le Grand Sud, pour le département du Sud. Et nous t'a souhaité que solidarité ça les coordonner, les planifier, les organiser et pour que vraiment victimes yo, vraiment moun qui fait face à situation yo capable et offrir un minimum et garder comment est-ce que nous capable remettre et Grand Sud là camper plus précisément et le département du Sud la ville de Kaye. OK, dernière question avant aller et me connaît que ou fait que ça dit que gagner. Et bien, plusieurs autres m'ont dit ça tout, que route est coupée et puis il y a l'autre commune qui n'est pas connectée entre eux à cause de problèmes d'accès. Mais il y a plusieurs, et l'hôpital Port-au-Prince, qui dit que vous prenez victime en charge. Et maintenant, est-ce que il y a une route pour sortir au CAI pour arriver à Port-au-Prince? Oui. Alors, avec un peu de difficulté, parce que il y a des côtés, j'aime ça, d'où là, qui est de crevasse, de bas qui tombent. Non route là donc c'est petit côté pour passer faut qu'on aller avec un pile mbrim ça hier soir avec un pile précaution avec un pile attention donc il y a une possibilité mais ça nous t'a souhaité et Magique 9 faut gagner on faut qu'on opération coup de poing qui fait en urgence
pour débloquer et débloquer et arriver pour te aide de l'eau m'pa connait et manger pour monde qui dans ce côté qui retire parce que les au dit département sud c'est 19 communes c'est plus que 69 sections communales donc il y a des sections communales qui retiré et qui tremblement de terre arrivé sur yo tout il y a pile kay qui crasé il y a pile monde qui blessé il y a pile monde qui mouri qui en difficulté OK donc ça veut dire que faut une opération coup de poing qui fait il faut que l'opération ça arrive connecter de commune à commune même lorsque nous n'a pas capable connecter section communale yo et avec et national yo mais au moins et on pas compte comprendre au moins grande ville yo capable connecter une à l'autre on pas comprendre gagner voie de pénétration de communication pour permettre yo capable venir en aide à population ensuite on pense que il y a un pile monde et hier soir qui pas rentrer dans caisse ça veut dire que et bon nous pas pas souhaiter même image noté le 12 janvier pile tente à droite à gauche et encore mais on croit que on pense que il y a monde qui a compétence dans domaine là qui compte qui a formation qui connaît en cas de désastre en cas de tremblement de terre comment pour intervenir pour porter des résultats pour porter des solutions donc monde ça est capable intervenir et nous sentis bon alors nous sentis bon mobilisation pour ta venir en aide à pays donc nous souhaiter que aide ça coordonner hein les coordonner et les coordonner les organiser les mieux planifier que 12 janvier pour que nous pas répondre l'autre catastrophe encore même l'autre catastrophe ou l'autre catastrophe humanitaire côté bon avec tout ce qu'on est ça traîne d'elle. OK d'accord. Merci un peu lui ancien député Jean David Genesté parce que ou t'es sur antenne nous et bien entendu et me pensais que cri d'alarme alerte ou en lit passé et nous espérer que Jean Mandela que pral gain des actions concertées planifiées et concrètes pour venir en aide à victimes qui pas forcément trouver dans mitan ville là mais qui connent dans des endroits très reculés parce que c'est et il y a plusieurs sections communales faut faire vraiment attention à ça pour que effectivement monde qui victime capable joindre aide pour matin lié là. C'est moi que remercie nous souhaitons que nous continuer les situations à travers le Nouvelliste à travers Magique 9 pour que voir monde dans département voir monde dans grand sud là capable briser et un peu plus loin. Merci un pile. Voilà, vous avez écouté ancien député. Ouais, qui vous avez expliqué nous comment la situation était hier. Maintenant qui nouveauté gagné, comment ça passait et de hier soir à matin. Bon, nouveauté c'est que c'est ça de toi et je temps on entendait que et bilan yo a augmenté soit en termes de monde qui yo jeune qui blessé, soit en termes de monde yo jeune qui mort. C'est-à-dire les difficiles à chaque fois pour dire mais combien bilan exact là. OK, mais c'est ça capable du matin les nous lever ça nous c'est que toujours gain mobilisation d'ailleurs c'était toute nuit là c'est toujours gain mobilisation pour chercher les survivants les passer matin toujours devant le manguier c'était toujours beaucoup tout le monde qui là continue à chercher est-ce que gain monde qui était est-ce que gain survivant toujours en bas des combios le passé bodé tente c'était même bagaille presque toute maison qui effondrée et que moun yo suspect gen moun ladan gon solidarité OK gen solidarité entre citoyens yo pour que yo te joine pour que yo gade si yo capable joine moun et qui gen vie toujours et ou di moi si yo gen mort pour yo retirer yo en bas mas béton yo mais ça qui nouveau c'est que depuis hier soir nous capable di protection civile évidemment de la protection civile yo te commencé rive au caï. OK, et matin nous est débarque de l'armée qui rivé nous la Croix-Rouge, haïtienne et puis en termes de protection civile capable dire troupes là lui-même augmenté parce que gain 4 à 5 et machines protection civile nous qui viennent renforcer ça qui était déjà là hier soir. Donc on dit gain équipe protection civile là qui à pied d'œuvre pour des victimes mais tout gain jeune backup l'armée pour faire face à cette situation. Oui, je me bats contre l'armée et gain l'autre matériel tout peut-être qui part dans le sud qui arrive parce que matin là nous avons plusieurs tracteurs qui
qui rivé depuis hier soir des tracteurs qui étaient rivé dans ces deux maisons qui tapaient des moun qui tapaient des écrasés pour capable pour être capable sauver vie. Et matin là devant le manguier moi un nouveau tracteur qui bon bien que votre comité les mettait bien à faire mais qui était déjà arrivé pour que ça va continuer rechercher pour être capable garder si gain mon nègre monsieur Larmeyo nous est arrivé et en premier ça a été fait c'est que était dit au grand compte à 7h30 après rencontre là yo pral vraiment et souterrain pour que yo aller aider nan niveau que yo même yo capable. OK, maintenant au point de vue population lui-même comment elle dormit hier et comment elle levé matin. Bon, population même gens ça en 2010 nous connaît qui gens ça c'est que après tremblement de terre toujours gain des répliques et mais chaque réplique ouais c'est monde nous courir et ça fait que en pile moun pas ka dormi la kayo hier soir. OK, yo té sakté nan et devant la kayo, sak ta chercher un côté, sak ta nan koun nan, té gen kèk gen ki té nan koun nan. Gen moun ki ta dormi nan bureau li sa côté ki gen grand la kou. OK, et chaque moun té fon jan pour que yo té meti yo le plus à l'abri que possible parce que yo pas de dormi en bas mas béton yo, même les gen ki estime que la kayo pa yo solide. Mais on va te dormir en bas mas béton ou te vle yo te vle et allons côté qui pisse ouais ça pisse que qui gagne 9h 10h 11h et soir à chaque côté que nous passer gont ti courir et parce que te gagne des secousses et surtout te gont secousses qui te même semblé qui était très violent côté que gagne caille qui était déjà commencé tomber et puis qui était fini quelque côté qui fin tomber maintenant et nous connaissons tout et yo recommandé moun yo pour pas rentrer dans caille qui était endommagé ou caille qui était fissuré pour que et yo parce que gagne pile secousse pour que si pendant une caille secousse ça il passer pour que pas ta yo même et affecté mais comment ouais sensibilisation ça est-ce que ouais et Mounio respecter son conseil de sécurité à ce niveau on capable pas répondre entièrement mais dans côté que passé yo OK il y a monde qui court entre la caille en de la caille mais c'est pour un petit bout de temps par exemple si on a grand bagage il parle grand les courir entre quoi et puis rapidement les sortir pas bien vraiment monde comme si actuellement là moi dans airport et au Kai OK après même airport là il fonctionnait dans la cour ça veut dire pour checker ou pas rentrer dans masse béton ça veut dire c'est dans la cour et c'est dans la cour il fait toute bagaille et on dit déjà dit même l'hôpital au Fatma hier que nous était dans l'hôpital là et qui était fissuré en partie pour mon yon service, pour mon yon jeune soin, ça veut dire que c'est dans la cour, c'est dans la cour ou bas au soin. Ça veut dire, il y a un consigne ça vraiment qui baille côté que ta maison qui fissure pour que mon yon pas rentre là-dedans, mais il y a besoin mon yon gagner, et soit pour y aller baigner, soit pour faire toilette, soit pour bon, si yon bon petit commandant pour y aller chercher, mon yon c'est pour y rentrer et puis sortir rapidement. Ok. Et qui l'autre information qu'a nous encore et Jose concernant sont gardés sont constatés et en termes de besoins qui sont pensés que t'as et qui sont dans des populations et à demander bon besoin énorme pour actuellement la population sud là parce que et j'aime dire hier et l'hôpital était déjà débordé urgence l'hôpital était déjà débordé et parfois que sud là lui-même était préparé pour une catastrophe comme ça OK parfois était préparé pour une catastrophe comme ça parce que c'est chaque moment qu'a privé en pile mon a privé dans l'hôpital résume moi c'est que en termes de kit en termes de sérum en termes de et matériel dans l'hôpital yo moi c'est que s'il est arrivé le plus rapide que possible, c'est très bon parce que ni au Fatma côté que nous passons un bon bout de temps là-dedans, ni l'hôpital général, nous voyons que bon côté privé, c'est que mon mieux était vraiment, était presque arrivé en rupture de stock depuis hier. Avec les jeunes étudiants, si pas de matériel qui arrivait, capable d'entrer en difficulté pour desservir la population. Maintenant, dernière question avant d'aller, parce qu'on connaît que faut aller. Maintenant, il y a plusieurs hôpitaux dans Port-au-Prince
et même dans l'autre ville, tant que l'hôpital Zami la Santé, qui fait connaître que vous êtes prêt pour recevoir des victimes pour bailler aux soins. Maintenant, et est-ce que ou est que il y a une ambulance qui sous place qui peut faire et aider dans transfert et victimes ça yo? Bon, oui, nous, matin, hein? et quoi aux haïtiennes, ok, nous, quoi aux haïtiennes qui débarquent matin à quelques ambulances, et puis nous, tout et protection civile qui débarquent avec plusieurs machines de buée qui tapent beauté moun, ok, qui tapent beauté moun, qui tapent aidé l'hôpital. Yo, je pense que je vais parler avec eux pour me connaître est-ce qu'il y a quitté le département sud là pour que vous entrez. Pour que rentrer dans département l'ouest, pas parler avec eux sur ça, même capable de dire et capable assurer et tout auditeur magique neuf yo que et parce que structure ça yo déjà là, il y a plusieurs ambulances qui déjà disponibles, si toutefois qu'il y a un monde calme la nécessité pour rentrer avec rapidement pour Port-au-Prince pour que faire ça, et n'a souhaité seulement que Matissan ait possibilité ça. OK. Merci un peu lui, Jose. Merci parce que tu t'es informé mon yo sur antenne sur Magique 9. OK, merci Mimi, merci à tout auditeur Magique 9 qui t'a attendu. Nous pense que c'est un plaisir pour nous t'informer. Voilà, vous t'avez écouté Jose Fléchère, journaliste Le Nouveliste qui est à ba nous dernière information que li gagné sous situation ça qui a déroulé après et séisme là, un séisme de magnitude 7.2 qui frappait un pays hein, mais qui vraiment plus a affecté Grand Sud là, m'a parlé là de trois départements en particulier, de département du Sud, de département des NIP et de la Grand'Anse et bien entendu tous les trois intervenants que nous t'ai gagné là yo. Yo fait nous parle de situation et ben nous en photo de situation hein, qui pour le moins est compliqué qui vraiment besoin et des actions pressées pour aider les victimes à faire face à situation hein. Et là nous prenons une pause tout petit et pour nous et nous prenons tout net à l'heure Jamina et a essayé de contacter des autres monde pour nous qui est dans l'autre département notamment dans Grand'Anse, plus précisément dans ville Jérémy. Nous allons laisser recevoir nous, mais bien entendu, nous avons une pause tout coûte et nous invitons à rester branchés Magique 9 pour suite programmation. Nous allons tourner et nous allons recevoir l'autre invité, bien entendu, j'aime dire nous là, qui dans l'autre ville. Nous avons une pause, nous tourner. Magique 9, Ticket Magazine et Télé 20, c'est un plaisir pour nous continuer à informer sur la situation qui a déroulé dans Grand Sud là après passage un tremblement de terre. Ça, qui vraiment très affecté trois départements, département Sud, département Grand'Anse et département Denip. Là maintenant, nous avec Ralph Simon qui est journaliste, qui est PDG JICOM, il est en ligne. Bonjour Ralph. Bonjour à toute auditoire magique, c'est un plaisir pour nous capable parler matin. Ralph, où trouvez-vous dans Jérémy? Ben non, idée de comment la situation y est pour matin là après passage très bien de terre ça. Bonjour que nous connaissons. Déjà tellement de textes ravagés au département de Grand'Anse hier là. Il y a environ 5 communes touchées dans le département. C'est Jérémy, c'est Corail, c'est Pistel, c'est Beaumont. Il y a plus de communes qui sont touchées dans ce qui s'est passé hier. Allô, vous mentionnez Jérémy et Beaumont, Duchiti, Pistel, Corail, Ville Caïmis. OK, Pestel, Corail et Île Taïmite. Tout à fait. Et bien, pour matin, il faut que je dise que ce qui est plus gros, c'est la situation sanitaire là. Parce que les gens qui nous connaissent déjà à l'hôpital Saint-Antoine, qui passent par les événements, et bien, surtout dans la question personnelle, il y a un manque, mais la question tout ça qui est un cran, c'est-à-dire pour passer à un monde qui est blessé aux jeunes médicaments, c'est difficile. Et qu'on a ça, une compliquée situation parce que les routes nationales, ils m'ont cette date. Du côté de la rivière classe, ils m'ont mis bloqué. Malgré les travaux publics à travailler là-dedans, mais les travaux publics à dire que c'est environ 2 jours de la vie de travail ça prend pour être débloqué et capable de zone rivière glace, la zone rampe pour être capable de faire un trafic entre Grand'Anse avec l'autre département. Okay. C'est le seul moyen pour le moment on capable de dire est dans ce qu'on capable d'arriver au niveau de la Grand'Anse, qu'il soit par avion ou par hélico. C'est-à-dire, c'est pico inquiétude là qu'on a là, c'est question. Capacité et gestion blessée au niveau de l'hôpital Saint-Antoine. Et l'autre côté, il y a Pestel, lui-même qui est vraiment frappé en pile. Et jusqu'à présent, le monde sorti, hier soir, il a alerté pour le constat qu'il y a besoin d'aide parce qu'il y a un peu de monde qui est blessé. Il n'y a pas qu'à arriver à l'hôpital. Il y a un monde qui est sous grand cas. Il y
gen moun ki fraktur nan sens, gen moun ki kase, men jiska prezan pou ko gen, yon kapabilizyon, delegasyon ki deplase pou al pote moun sa ou sekou nan la coupe sel. Mwen kapab di, an gros, se sa situasyon nan vide jibou nou, men nou konen gen an pil kay ki krasi, gen pluske 100 moun ki deja apèdi la vide ou partiellement son bilan partiel, et actualité à ce salier pour maintenir la vigilance. Vous mentionnez que les travaux publics li fait connait que la besoin au moins 2 jours pour le cas débloquer les cas débloquer route notamment zone rivière glace et qui l'autre zone vous mentionnez encore zone rampe. Bah, je suis pas trop bien non. Allô allô, vous entendez bien? Vous mentionnez que les travaux publics a besoin au moins 2 jours pour que li débloquer et route notamment et route dans zone rivière glace avec zone rampe. Et que c'est par avion seulement ou bien par hélicoptère que NDOTK a vini pour département. Même est-ce que pas gain possibilité font route à pied quand même pour passer de l'autre côté? Nous connaissons que l'hôpital Saint Boniface dit qu'il était prêt tout pour recevoir l'autre monde et qui l'autre bagarre qui a fait parce que 2 jours c'est quand même beaucoup et moun yo pas forcément qu'arrêter tout le temps ça sans que pas joindre soin. Jusqu'à présent pas gain l'autre alternative parce que pas gain de beaucoup bailli ou bien jusqu'à présent parce que nous connaissons ça tellement difficile parce que quand pile monde faut que gros matériel c'est-à-dire c'est des personnes l'autre route et nous connaissons sur l'autre bord route là c'est ravine là c'est falaise qui là-dedans en attendant penser que alternative ça doit faire faut que gain gros matériel pour travailler ça faire mais ça qui est intéressant c'est que c'est terre qui déboule dans la route là c'est-à-dire il y a retiré grand pile roche qui déboule là-dedans tout il y a retiré mais qui dit que travaille ça le système travaux publics cap travaille en pile depuis hier soir jusqu'à matin là pour regarder est-ce que jodi a capable de libérer pour le moment président Abdoulaye là gain une organisation qui fait ce qui campé lui-même et l'autre bois il t'a porté médicament pour l'hôpital Saint-Antoine li pour qu'a venir et que mon dans zone difficile lui-même qui a baïe mon pression c'est dans zone en priorité parce que yo en situation difficile yo que mon système et sans santé l'autre bois pas répondre capable pour capable pas quantité son besoin c'est-à-dire situation li un peu compliquée la main autorité département. OK. Situation est manqué et en situation compliquée et il nécessité pour mieux coordonner aide. On parlait de Île Caïmite, Île Caïmite tout qui victime en pile. Ba non idée de comment situation est dans île là. Île Caïmite gain même j'avais Christelle, nous pas très fort dans Île Caïmite crasé dans tout le monde qui nous mais Île Caïmite c'est pas celle lui c'est dans responsable protection civile parce que jusqu'à présent n'a dit que c'est information collectée avec et autorité de l'autre bois, mais ce n'est pas une délégation capable de protection civile, c'est pas une délégation capable de pompiers de la Croix-Rouge de l'hôpital Saint-Antoine qui est déplacé pour aller porter support. Parce que pas oublier, et de temps à autre, il y a des gens qui apprennent l'hôpital Saint-Antoine qui sont sortis dans l'autre commune, mais zone ça, il y a beaucoup de gens capables de faire un capable de dire qu'on voit pour dire pour aller porter mon secours qui est vraiment dans la situation de. Maintenant, l'hôpital Saint-Antoine dépassé par les événements depuis hier, nous avons dit ça. Or, et pas de route pour que yo vini en appui ou bien en soutien avec la victime yo. Ou mandé que c'était ta et par avion éventuellement par hélicoptère pour aider et plus monde. Mais maintenant, population lui-même, comment lié, comment vit situation ça et mis à part besoin et non renforcement personnel médical là. Qui ça que tu as supposé faire encore? Comment la population levée pour matin? Alors, faut nous dire que c'est population qui se choque parce que pendant ma parole, je suis en train de faire une quinzaine à vingtaine de minutes, qui était à se trembler encore. Et hier soir, nous connaissons que c'est une grosse secousse qui fait que nous, nous-mêmes, nous ne sommes pas vraiment à l'aise, c'est-à-dire choqués. Si nous, jusqu'à présent, nous avons peur parce que nous ne sommes pas dans la communauté où il y a des voisins crasés, où il y a des gens qui mourent, des gens qui blessés. Et eh bien peut-être si les balades sont passées, vous comprenez que c'est un jouet, mais vous pouvez comprendre que c'est pas un blague. C'est-à-dire, la population, c'est dans la rue, hier soir, dormi, tout le monde est dans la rue, ou un matelas là même, on a dormi dans la rue. Et matin là, c'est-à-dire, jusqu'à présent, nous-mêmes, nous perdons dans la caille, il y a fait prudence. Et nous ne trouvons pas ouais, qui côté problème de bras résoudre. Parce que pas oublier au niveau département grand instant, et configuration capable du département, c'est-à-dire, on a toujours négligé et on a regardé que la situation passée là. Chaque fois qu'il y a eu grand sud, il y a négligé la grenance. N'a pas l'instant passé à là, n'a pas que même autorité, comme si on puisse parler de Okaï, c'est bon qu'on a Okaï, exactement, il y a un peu de bagaille qui crase Okaï, il y a un problème tout, mais la grandesse, il y a un problème. Et la grandesse, c'est un département qui est plus vulnérable par rapport à un département capable de plus. Oui, la grenance, il y a un problème, et effectivement, mentionné,
au moins 5 villas qui prétendent aide dans les autorités, Jérémy, Beaumont, Difiti, Pestel, Corail et bien entendu Île Caïmite et fort que tu as une diligence qui fait ou dit PTC et là, mais est-ce que ou est de l'autre équipe et pouvoir central là qui est arrivé dans zone grande dans cela? Pour le moment non, parce que il y a un premier ministre Ariel qui dit que ça était en grande ça dit non, il faut que le premier ministre ait fait une visite exploratoire. Il était passé dans l'hélicoptère, il fait photo, mais le premier ministre n'a pas descendu la terre pour venir constater les dégâts. Il a dit jusqu'à présent, pas gain aucune autorité au niveau central qui vivait dans le département Grand Est. Aucune autorité centrale, ni ministère de défense, ni FAES, ni l'autre entité qui a prêté main forte à Victimio et dans des villes de Koukaï. Pour le moment. OK. Maintenant, donc c'est autorité locale qui a gardé qui ça au café et dans moment ça est là mais bien entendu, il y a pas préparé à une situation comme ça. Bon, personne ne pas préparé pays à tout temps, c'est pas jamais préparé à ça parce que malgré 12 janvier 2010 passé, là n'a pas jamais gain une campagne de sensibilisation qui fait qui pour dire comment pour comporter yo pendant catastrophe et après catastrophe. Voilà pourquoi hier dans l'hôpital Saint-Antoine, on a plus monde a besoin d'aide pour apporter moun yo même ça vient faire ses photos, c'est venir garder, empêcher et quantité personnel ça nous gagne au fait travail yo. Et ou apporter plus moun yo plus venir garder spectacle au lieu que venir aider. C'est vrai qu'il y a des monde qui mettent mais il y a des monde qui pas tout côté yo parce que grand éducation capable dit et sous question ça il pas gens ça ça. Et on va être jusqu'à présent moun yo pas connaître ça pour comporter nous les gens secousse avec les pas gens secousse c'est-à-dire même leur c'est un tremblement de terre, c'est-à-dire qu'un comportement, nous nous avons adopté, mais pour qu'on ait ça, il faut que le travail qui est à la base. Mais pas qu'il y ait qui apprenne. Jusqu'à présent, l'autorité eux-mêmes, nous l'avons été balancés. Tout est fort, c'est sur ONG, pendant ce temps, ONG eux-mêmes, c'est pour l'opérationnel d'État allié. Il y a des l'État pour dire avant, mais ça m'a fait, mais ça m'a fait, et qui côté nous-mêmes n'a pas fait. Avec une pensée que l'État, enfin, nous devons repenser cette situation, parce que après 12 janvier et après Mathieu, et puis, je ne veux pas dire là, c'est-à-dire que tout le monde est sorti pour nous dire qu'on a corrigé quelque chose parce que nous n'avons pas qu'à répéter même les soins chaque année. Maintenant, mis à part l'hôpital Saint-Antoine qui est dans le Grand Est, qui est l'hôpital qui gagne dans la zone? Dans le Grand Est, c'est seulement l'hôpital Saint-Antoine nous gagne pour tout le département. De l'autre côté, qui vient des centres de santé, qui vient dispenser. Mais on l'hôpital qui répond avec un minimum, c'est seulement le centre-ville Jérémy de l'hôpital Saint-Antoine. Ça veut dire, quel que soit le monde là, il y a un gros problème au niveau de Iwa, c'est Jérémy pour l'entrée. Il y a un gros problème au niveau d'Abricot, c'est Jérémy. Moun qui sont pour moi, soit à l'Okaï ou qui ont entré Jérémy. C'est-à-dire, c'est seulement l'hôpital là, et un fois, il n'y a pas jamais. Il y a une quantité de matériel pour fonctionner. Un fois, il n'y a pas jamais une quantité de personnel pour fonctionner. Là, disons, l'hôpital, l'instant normal, qui ne toujours pas fonctionner et pas besoin par l'eau, l'instant de crise. C'est seul l'hôpital Saint-Antoine. Et bien entendu, hier, nous avons parlé avec des gens en Corail. Même le centre de santé est endommagé et pas de café face avec la situation non plus. Oui, oui, parce qu'il ne faut pas qu'elle bonne côté. Exemple, Corail. Mm-hmm. Corail, nous n'est pas même capable l'aide d'endommager. Il fonctionne, par exemple, Cafouchal, qui est en centre de santé. Il crase la cibolière qui est. Il crase, il ne faut pas qu'elle bonne côté centre de santé. Il crase un côté endommagé, pas qu'à rentrer. C'est-à-dire, on voit que la situation est plus compliquée pour l'hôpital Saint-Antoine parce que tout le monde a été obligé de rentrer à l'hôpital. Et on a dit que hier soir, ambulance, il a fait nuit. C'est-à-dire, à faire trafic, à aller chercher les gens qui sont blessés à travers le département pour porter dans l'hôpital là. C'est-à-dire, un personnel médical, un infirmier, un docteur. C'est-à-dire, quel que soit le secteur, il y a eu entre l'hôpital là, une balle de main. Et mais jusqu'à présent, c'est eux-mêmes qui là. C'est-à-dire, pas de support et pas de matériel jusqu'à présent. Et pas de médicaments. Ou bien, il y a manqué matériel et pas de médicaments. OK. Il y a manqué matériel et pas de médicaments. Mais l'autre bagage, je me demande, c'est question et COVID-19 là, parce que de toute manière, il y a toujours de COVID dans le pays. Mais est-ce que, ouais, non, même dans ces prises en charge, est-ce que vous pensez que le coronavirus là, aspect ça, il prend en considération? Moi, je pense que. Dans le pays, il y a beaucoup prêt pour nous gérer et plusieurs, nous capables de dire catastrophes ou bien épidémies en même temps. On ne peut pas oublier que nous avons fait des chroniques à tout. Et à dire pendant que nous avons fait COVID là, et nous avons tremblement de terre qui s'est passé, et nous avons fait des tropicales qui arrivent sur nous. C'est-à-dire la nature n'est pas campée. C'est-à-dire nous ne pouvons pas camper pour que nous mettions capables de dire au top pour nous faire face à eux-mêmes. Parce que nous sommes capables de camper. Ce qui passe dans le tremblement de terre, il n'y a pas besoin de connaître le COVID lui-même. C'est-à-dire là,
jusqu'à présent, c'est vrai qu'il y a un vaccin qui a pas, mais où est mon yo, c'est essayer de garder le même qui j'en ka protéger mon lakayo, qui blessé tout ça yo, et n'a pas que c'est deux, trois moun qui pote masque, pas qu'un trop moun qui pote masque, à part de personnel santé yo, quelques autorités nous qui pote masque, mais pas qu'un trop moun qui pote masque. Ok. Maintenant, par contre, tu es vive et Mathieu, ou la Mathieu qui est passé, hein? Et par rapport avec et tableau qui gagne après et tremblement de terre ça et après Mathieu qui différence ou gagne bon c'est Mathieu t'es qui a plus difficulté pour te gérer et Mathieu tout et en fait qui a plus grand. OK, parce que Mathieu pas oublié et toute population net t'es dans la rue parce que toute caille là nous capable de gagner en pile caille qui écrasé qui endommagé. Mais dans Mathieu, on n'a pas de chance ça, parce que pas oublier la population lui-même. Le cas, on a plus de crasé, c'est des cas qui fait en béton, des qui fait en tôle. Mais la population lui-même, qui a vu le cas de tôle dans Mathieu, nous comprenons que le cas de tôle est le plus, comme tu l'as dit, est vulnérable que le cas de béton. Mais toute la population est dans la rue, tout le monde est dans la rue. Et c'est quand tout le monde qui blesse. C'est-à-dire, pour moi-même, Mathieu, c'est une plus de difficulté pour gérer, parce que la quantité de monde victime était plus pendant Mathieu. Mais est-ce que vous pensez que l'autorité apprend de leçons de Mathieu? Je ne pas vraiment penser ça parce que moi, c'est même erreur qui a produit parce que pas qu'un trop gros planification qui fait et parce que pas oublier leur coordonné pour un bail pour faire planifier. Si vous pas bien planifier, c'est-à-dire que pas qu'un roi coordonné, n'a pas gardé matin là, qu'un avion qui a venu chercher quelques mouns, c'est temps en temps après nos machines, est-ce que vous avez un coup de main? Et pour mener des trois monnaies pour ça, c'est-à-dire ma planification. Avion, ça va. Si ma permet de mettre nous apprendre, c'est-à-dire là, nous avons bien coordonné et l'urgence ça qui vient là pour nous dire qui fait quoi. OK. Maintenant, vous mentionnez avion qui a venu chez Mounio, c'est des avions, des initiatives privées ou bien c'est évacuer la population qui est blessée? Oui, il y a des gens qui sont extrêmement graves, par exemple, une dizaine de gens qui sont graves. Yo a transporté en avion pour capable voler l'hôpital pour tout le monde. OK. C'est autorité qui a fait ça. Bon, jusqu'à présent nous pas ka connait parce que avec deux autorités me parler matin, et même tout ce matin au courant que avion a venu. OK. Mais ça c'est que il a essayé évacuer des blessés vers de l'autre ville pour capable aller prendre soin. Bah, ça va très bien. Oui, non, mais ça que c'est que il y a des avions qui a essayé évacuer des blessés pour capable et permettre à prochaine dans l'autre ville. Oui, je pense que ça. OK. Maintenant, en termes de besoin pour qu'on y aller là, qui ça t'a dit et où est qui nécessité? Moi, je pense que le besoin ça qui est fondamental avant c'est médicaments et matériel pour l'hôpital là. Ensuite, nous plus besoin ça des tentes parce que nous avons des problèmes là parce que même l'hôpital là pas vraiment des tentes, de toi et des tentes qui ont une nouvelle population. Nous avons besoin de bâches pour nous capables de faire l'autre espace encore pour recevoir l'autre monde qui a venu. Et nous avons besoin d'un moyen logistique qui est disponible. C'est-à-dire pour la grenade, par exemple, pour une pistelle, et si même lorsque la machine va rentrer, nous avons besoin d'un autre moyen logistique, comme si nous avons besoin d'un autre moyen logistique, parce que nous avons besoin d'un autre moyen. Parce que là, on a parlé de département, nous avons une grenade, nous avons une configuration monde. C'est bien, nous avons un paquet de l'autre côté, par exemple, la Tibourdière, par exemple, pour Couchon, c'est des zones jusqu'à présent, nous avons une quantité. Là de nouveau vocal. La distaio, je pense que les gens, comme je dis, besoin urgent, c'est médicaments, c'est tentes, c'est bâches, c'est trop, c'est manger pour mon nom. Parce que pas oublier mon nom là, qui est dans la rue, pas de monde qui est en train de la caille, ça veut dire pas de monde qui est en train de la caille. Et nous n'avons pas quatre bandes de monde qui travaille à l'hôpital, c'est un petit peu de coûts, mais on vient. L'État en attendant, autorité pour qu'on réponde. Parce que situation, avec l'État, nous connaissons qui doit dire, bien que mon nom dit, il y a un peu de monde des fois qui parle. Il faut l'état à crédit parce que le doute est beaucoup à toucher. La situation est compliquée dans ce sens-là. OK. Mais, à la dernière question à Valais, et qui est comportement et population et mon ouéo et pendant le passage à ce coup-là? Est-ce qu'on sentit mon ouéo plus ou moins capable de garder la tête? Je regarde le visage de mon ouéo, c'est-à-dire, il est comme si l'âge de mon ouéo passe en plus. Pour que ça ne dise pas, parce que pas oublier, nous avons une situation économique, sociale, pays, gens qui ont mon rythme pour le font tout le temps le prend pour faire ça, et puis un bon matin, ils lèvent, ils ont un caille sacré. Ils ont envie, mais ils ne pas qu'on a combien de temps pour le faire. Ils ne pas qu'on a coûté le voyage de l'argent pour faire mon autre. Ils ne pas qu'on a coûté le voyage de tout. D'ailleurs, nous prenons le worker, même si nous avons un peu de temps, nous prenons le temps maintenant, nous prenons pas quelques temps pour nous lutter, et nous ne pas qu'on a combien de temps, nous nous avons fait en battant. Et pas oublier, je dis à nous déjà 15 août
et qu'on l'école qui a annoncé pour septembre. Mm-hmm. C'est-à-dire l'État continue à bouger. C'est-à-dire que l'autre département, c'est à l'école. Il faut que la grenade à l'école. Pendant ce temps, on paquette pas l'école qui crase au niveau de la grenade. Avec tout le comprendre qu'on parle, mais lorsque il est crasé, et puis garder le reste, on va à l'école, puis capable de parler à l'école. C'est-à-dire que nous essayons de comprendre dans qui situation mon noyé au niveau de la grenade. C'est-à-dire que l'inquiétude qui l'ange mon noyé, le garde au yo, et ouvrir comme si mon bon bagaille, l'envie, comme elle n'allait pas comprendre, mais pas garder. Maintenant, dernière question. Ou a parlé de des bâtiments qui ont endommagé. Nous on t'a photo. Oui, dernière question, où t'es l'église là qui est endommagée et qui l'autre bâtiment encore, qui l'autre école là, qui détruit par séisme. L'église Saint-Louis, nous je dis à 9 jours de fête l'église Saint-Louis, de fête Jérémie, nous est à l'église là. Mais n'a pas consacré qu'il y a un paquet de notre église. Encore par exemple, il y a l'église la Thibaudière qui crase, il y a un presbytère la Thibaudière qui crase, il y a toute l'école la Thibaudière qui crase. Il y a une dizaine de l'école au niveau du bâtiment qui crase. C'est-à-dire que la situation est compliquée pour la population. C'est-à-dire, en termes de difficultés, il y a un complexe administratif là, qui loge un paquet de bâtiments de l'État, qui même qui impacte tout. C'est-à-dire que la situation s'est alliée et n'a pas attendu hier soir aux environs de minuit par Inès du matin. Il y a plusieurs civils de Jérémy, prisonniers eux-mêmes, qui ont fait tentative pour craser, pour le sauver. Et il y a un directeur qui est Paul Mena lui-même, qui prend un coup de bouteille dans la cause de ça, qui est blessé dans le point, qui est obligé d'aller prendre soin dans l'hôpital de Saint-Antoine. Ok. Mais Kounia, et tout le bagage sous. Il maîtrise tout le bagage dans la prison. Pour le moment actuel, la police a contrôlé la situation, mais à ce moment, tout le bagage a changé parce qu'on ne peut pas me connaître. Merci un peu, Louis, Ralph Simon. Merci un peu parce que tu es disponible pour parler avec auditeurs, auditrices Magique 9.